Alors, bienvenue au centre. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, approchez, nous allons louer le Seigneur ce dimanche, un bon dimanche que le Seigneur nous prête. On va se lever ensemble, nous allons prier pour le commencer. Alors, bienvenue Québec, bienvenue tous qui nous suivez par le biais d'Internet. Seigneur, nous te bénissons pour ce bon matin que tu nous donnes, un temps de te louer, de te chanter, de te célébrer, Seigneur. Bénis tout un chacun de nous. Bénis, Seigneur, ce moment que nous allons passer dans ta présence. Que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, Seigneur, nous touche ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, avant de continuer, donne un high five à ton voisin. Yes, un big hug. Un bon bisou dans la présence du Seigneur. Ce matin, es-tu dans la joie ce matin? Alléluia. Le plus grand jour de notre histoire, chante ensemble. Le plus grand jour de notre histoire, chante avec nous ce matin. Par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Ouais. Ces tombeaux, tu as vaincu pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus vit, Jésus vit. Je me tiens, chante ensemble. Dans son lieu, je me tiens. Woo! En paix libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin et paix parfaite. Les douleurs de ce monde cesseront. Célébrant, Jésus est dans ton cœur ce matin. Oh, quel beau jour, quel beau jour. Alléluia. Je me tiens enfin libre.
toi et tu es à moi. Hey! Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Oh, quel moment. Oh, quel moment glorieux. Quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Hey! Quel est son nom? Jésus. On va sa gloire. Woo! Oh, quel beau jour. Tape dans les mains ce matin. Beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as transformé. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Oh, quel beau jour. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour. Il n'a jamais, il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Alléluia! Faire des cris de joie pour le Seigneur des Seigneurs! Chantons ensemble ce matin. Tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Seigneur Master. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Fondé sur l'équité. Fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu. Et son sang a vaincu. L'ennemi de nos âmes. Oh! Il est le puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia.
cette nation. Jesus is Christ. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Jesus Christ is Lord. He is Lord. He is Lord. Jesus Christ is Lord. He is Lord. Ce matin, vivant, 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 Jésus est vivant, 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 Jésus est vivant, 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 Jésus est vivant, 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 Jésus est convaincu, vivant, 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 Jésus est vivant, 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 Jésus est vivant, 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 vivant. Jésus est vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Élevé, élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé. Vivant, vivant, Jésus est vivant, 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 plus fort, Jésus est vivant, 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 Jésus est vivant, 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 on y va, Jésus est vivant, élevé, élevé, Jésus est élevé, 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 exalté, exalté, woo! Exalté, exalté, exalté,
et exalté. Jésus. Pour que les hommes vivants, 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 les femmes. Les hommes vivants, vivants, les femmes. Jésus est vivant. Les hommes, on y va. Les femmes. Jésus est vivant. Les hommes. Jésus. Plus fort, les hommes, vivant. Les hommes. Jésus est vivant. Jésus est vivant. J'ai vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Exalté, exalté. Le vent, nous élevons par nos louanges. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Vivant, 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 vivant. Jésus est vivant. Alléluia! Alléluia! Il est bon d'être dans la louange. Il est bon de te louer, Seigneur. Est-ce que tu connais la différence entre la louange et l'adoration? La louange, c'est dire au Seigneur, merci parce que tu m'as donné de belles chaussures. Merci parce que tu m'as donné une belle maison. Merci parce que tu m'as donné un bel emploi. Mais l'adoration, c'est même si je n'ai pas de chaussures, même si je n'ai pas de maison, même si je n'ai pas d'emploi, je te loue pour qui tu es, Seigneur. Je te loue parce que tu m'as créé. Je te loue parce que tu es le Dieu qui restaure. Tu me fais reposer dans des eaux paisibles et tu restaures mon âme jour après jour. Alléluia. Peux-tu juste élever la voix et l'adorer ce matin? Prends un moment, ne sois pas distrait, parle-lui. Ta relation avec lui est ta plus grande prospérité, ta plus grande richesse. Alléluia. Alléluia. Me voici, me voici.
Seigneur, pour t'adorer, et de tout mon être, alléluia, de tout mon être, pour t'adorer, mon esprit en vérité, mon esprit et en vérité, mon être, pour t'adorer, me voici Seigneur, t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Oh, je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire. Nous adorons ce matin, Seigneur, nous désirons. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Me voici. Me voici. Pour t'adorer. Je t'adore ce matin. Tout mon être. En vérité, en esprit, en vérité, dans les mains pour t'adorer. Alors, si tu crois dans ton cœur qu'il peut agir ce matin et que tu l'adores réellement, prends un moment pour juste lui parler. Prends juste un moment pour lui parler. Adresse-toi à lui directement. Alléluia. Seigneur, merci pour la relation que j'ai avec toi, Seigneur. Merci parce que tu me fais prospérer. Merci parce que la relation que j'ai avec toi ne ressemble à aucune autre. Merci, Seigneur. Me voici pour t'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Louons le peuple de Dieu, levons nos mains vers lui ce matin. Oui, Seigneur, nous t'adorons en esprit, en vérité. Alléluia, alléluia, Seigneur. Toujours je désire t'adorer, alléluia, je désire t'adorer, pour toujours je désire t'adorer, je désire t'adorer, pour toujours je désire t'adorer. Comment louons-le ce matin, alléluia Seigneur, oui Jésus, alléluia. Oui, toujours je désire t'adorer. Oui, Seigneur Jésus, je désire t'adorer. Pour toujours je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours je désire t'adorer. Je désire t'adorer.
pour toujours je désire t'adorer, mon âme bénit l'éternel. Je désire t'adorer pour toujours, louons-le. Oui, Seigneur Jésus, alléluia, Seigneur. Comment louons-le? Faites juste lever vos mains vers lui. Dites à votre âme de louer Dieu ce matin. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, Seigneur, te loue ce matin. Tu es digne de louange, Jésus. Alléluia, nous t'adorons. Nous t'exaltons. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Comment lever vos mains vers lui ce matin? Dites-lui comment est-ce qu'il est digne de louange, digne d'adoration. Oui, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Fermez vos yeux, dites-lui, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia, Jésus, tu es digne d'adoration, Seigneur. Alléluia, Jésus, Coramanassé. Oui, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia, Jésus. Oui, tu es digne d'adoration, digne de louange. Alléluia, alléluia. Oublions nos voisins ce matin. Faites juste tourner vos cœurs vers lui et dites-lui comment est-ce que vous l'aimez ce matin. Oui, nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Je dépose devant toi, Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre. Je ne peux vivre sans toi. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis. Je vis pour t'adorer. Oui, Seigneur Jésus, yeah. Je vis pour t'adorer. Oui, Jésus, yeah. Me voici pour t'adorer, yeah, de tout mon âme, pour t'adorer, et en esprit, et en vérité, prends nos mains, pour t'adorer, oui, Seigneur Jésus, me voici, yeah. Pour t'adorer, oui,
Seigneur, te donner la gloire. Tout mon être, yeah, yeah. Pour t'adorer. Toi seul es-tu en esprit et en vérité. Levant les mains pour t'adorer. Ce matin, vous savez, c'est un honneur d'aller au Burundi. C'est un honneur aussi d'avoir le chef du protocole, aussi du président, ici avec nous ce matin. Mais j'aimerais vous dire que qu'est-ce qui me touche le plus, vous allez voir tout à l'heure dans son témoignage, c'est un homme qui est en feu pour Dieu avant tout. Et même Monsieur le président Pierre du Burundi, c'est un homme en feu pour Jésus. Il y a deux places que j'aimerais que tout le monde puisse aller avant de mourir. C'est en Israël et au Burundi. Et simplement de voir, c'était la grande croisade que le président organise. Et après que les gens ont été partis, est-ce qu'on est prêt pour le bout de film? Après que le président était parti, puis toute la foule était partie, il était avec ses gardes de corps, il y en a, les mitraillettes, il les mettait à terre, je ne sais pas où il les mettait, puis il louait Dieu. Après, puis je pense qu'on a un petit extrait ici, si on peut l'écouter ensemble, ça va être au centre, je crois. Ça, c'est les gardes du corps. Regardez le président. C'est le président, ça, qui chante. C'était la chorale du président aussi. Je vous dis, ce n'était pas un spectacle non plus parce que la foule était partie. J'aimerais vous dire que le président du Burundi, c'est mon ami et je l'appuie. Et j'appuie le chef du protocole aussi parce que je crois que c'est des vrais chrétiens qui ont rencontré le Seigneur Jésus. Est-ce que je peux avoir un amen? Écoutez, je veux vous parler de l'amour extravagant encore ce matin, puis après ça, je vais passer la parole au chef du protocole. Puis c'est tellement important, on a besoin de cet amour-là dans notre Église. Êtes-vous d'accord avec moi? On a besoin de cet amour agapé. Romains 5:5 nous dit « En l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Seigneur, je te demande ce matin que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi ici et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et je te demande, Père, d'être glorifié ici, que personne ne sorte d'ici sans avoir été touché par toi et transformé par toi. Je crois, écoutez bien, plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus tu es rempli de l'amour de Dieu.
Je peux-tu avoir un amen là-dessus? C'est pour ça dans Éphésiens, c'est écrit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est important d'être rempli du Saint-Esprit. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus que l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur et plus que tu peux aimer comme Dieu aime. C'est pour ça que je vous encourage tous d'avoir soif de Dieu. D'avoir soif de Dieu. Ce qui me touche quand même du président, ils vont commencer même leur prière, il est midi ici, midi moins 10, eux commencent leur prière à 18h ce soir. C'est tous des tireurs d'élite qui t'auront lui. Moi, ce qui me touchait, là, j'avais larme à l'œil parce qu'il n'y avait pas une foule pour les regarder. Mais tous ceux qui sont autour du président, le chef, ce sont tous, écoutez bien le mot, je vais, ça c'est un mot québécois, ce sont tous des pétés du Seigneur. Ça veut dire que ce sont tous des gens qui aiment le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Ce sont tous des gens qui n'ont pas honte de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est beau! C'est ça qui est beau! Puis je vous encourage, une de mes paroles favorites se trouve dans Éphésiens 3, versets 17b à 19. Et je prie, c'est ma prière qu'on s'entreveille, que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour pour avoir le pouvoir de comprendre avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut qu'on soit rempli de toute sa plénitude. Dieu veut qu'on soit rempli de tout son amour. C'est pour ça, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir comprendre la longueur. Combien Dieu vous aime. Combien Dieu vous aime. C'est pour ça le Seigneur veut que vous vous approchiez de lui. Pas seulement le dimanche. Dieu veut vous avoir tout près de lui. Dieu veut vous avoir près de son cœur. Dieu veut vous chouchouer. C'est un mot, mais... chouchouter, on dit. Chouchouer, c'est dans le petit dictionnaire Turpin. Chouchouter, c'est dans le dictionnaire Larousse. Mais c'est le dictionnaire Turpin qui est meilleur. Chouchouer. Le danger, croyez-le, il y a un danger dans tout ça. Puis, vous devez comprendre que dans les derniers jours, Matthieu 24 nous parle que l'amour du plus grand nombre se refroidira. J'ai aimé l'enseignement de Luc Dumont qui disait, « Amen, nous les chrétiens, c'est comme le saumon. On va contre le courant de ce monde. » C'est pour ça, dans la parole de Dieu, ça nous dit, Romains 8, versets 5 et 6, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. » Tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et la paix. C'est la vie. Plus tu t'affectionnes aux choses de Dieu, c'est la vie. Wow! Ça va bien. De mieux en mieux, ah, oh, ça va bien, de mieux en mieux, très bien, très bien, ça va encore mieux. Quand tu t'affectionnes aux choses de Dieu, t'as la vie et la paix. Le mot paix ici dans le grec, c'est beau, c'est avoir la paix entre les individus. Être en harmonie. Être en sécurité, ça veut dire. Être en sûreté. Être
dans la prospérité de Dieu. Parce que quand tu cherches les choses de Dieu pour commencer, tout le reste vient. Vous allez voir tout à l'heure dans le témoignage de notre frère. Puis, je veux vous encourager. Vous savez qu'il y avait 10 vierges. Puis, il y en avait 5 sages et 5 folles. Mais je crois dans l'Église de Jésus-Christ. Il va y avoir 50% des gens qui tombent dans ces derniers jours, qui laissent l'amour de ce monde venir prendre le dessus dans leur cœur. Je vous dis qu'il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde qui peut vous épanouir. Il n'y a rien dans ce monde, même que vous ayez le plus gros château sur la face de la terre. Ça ne comblera pas votre vide. Hier, j'étais avec un des hommes les plus riches à Ottawa au téléphone, puis il me disait comment il souffrait. J'ai dit, tu sais, je vais prier pour toi. Puis il y a tout l'argent. Il y a une maison de 3-4 millions, je pense. Mais ça ne veut rien dire si tu n'as pas Jésus au centre de ta vie. À quoi bon d'avoir ta grosse maison? Puis tu peux avoir toute la grosse maison, puis tout l'argent plein de ton compte de banque. Puis si tu n'as pas la santé, puis il n'y a pas la santé. Est-ce que je l'ai jugé du tout? J'ai dit, je vais prier pour toi. Puis il était touché de voir simplement ma compassion envers lui. C'est pour ça que les 10 vierges qui étaient sages, eux autres se sont remplis. Dis à ton voisin, sois rempli. C'est pour ça dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, ça nous dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et on sait qu'est-ce qu'a reproché, Dieu a reproché à l'église d'Éphèse, la première église dans l'Apocalypse 2. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que vous êtes encore en amour avec Dieu? C'est pour ça que je dis toujours aux jeunes, il n'y a rien là d'être en feu au début de la course. C'est à la fin de la course que ça compte, frères et sœurs. Qu'on garde notre feu pour Jésus. Et pour garder notre feu, il y a 4 clés pour demeurer dans son amour. Numéro 1, je vous dis, si tu aimes Jésus, tu aimes sa parole. Amen. Tu aimes sa parole. Ce n'est pas un fardeau de lire sa parole. C'est le livre d'instruction pour que tu sois heureux et heureuse. Jean 14, 21 et 23 nous dit, « Celui qui a mes commandements, ou ici ça peut être traduit « mes instructions », et qui les garde. » Le mot « garde » veut dire « on s'en occupe soigneusement ». On en prend soin. C'est celui qui m'aime, c'est Jésus qui parle. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répondit, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et 1 Jean 2, 5 nous dit, « Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. » Amen, amen, amen. Jean 15, versets 10 et 12 nous dit, « Si vous gardez mes instructions ou mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Puis je pense que toute la chrétienté, plus tu es rempli de l'amour de Dieu, plus que tu aimes les gens, plus
que tu aimes les... La première fois que j'ai vu Dr. Albert, le chef du protocole, il y avait quelque chose, allez voir, il est aimable. Il y a un petit sourire toujours, toujours joyeux. Puis ça a touché, ça m'a touché la première fois que j'ai vu. Il ne me parlait pas de sa position, mais il me parlait de sa position en Christ. Et ça, ça touchait mon cœur, comme homme de Dieu. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est plus important, sa position comme chef du protocole ou sa position comme enfant de Dieu? Je pense que c'est important qu'on ait l'amour pour les frères et les sœurs. Puis c'est pour ça, la semaine passée, si vous vous souvenez, Jésus, juste après qu'il était ressuscité, qu'il est apparu à Pierre, puis il a dit à Pierre, « M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes avec mon amour? » Et Pierre lui répondit, « Non, je t'aime comme un ami. » Pendant trois fois, et la troisième fois, il lui a posé, « Pas est-ce que tu m'aimes avec mon amour? » Parce que Pierre ne pouvait pas aimer, il n'y avait pas cet amour agapé encore en lui. Puis Jésus a descendu à son niveau. Puis il a demandé à Pierre dans Jean 21, 7, il a dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Ça veut dire, « Est-ce que tu m'aimes comme un ami? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Ce qui est beau là-dedans, Jésus est descendu au niveau de Pierre. Parce que Pierre n'était pas capable de monter au niveau de Dieu. Pierre ne pouvait pas l'aimer comme Dieu l'aimait. Fait que Jésus a descendu à son niveau. Puis je crois, le message dans tout ça, c'est « paix mes agneaux ». La première fois, il dit « paix mes agneaux », puis les deux autres fois, il dit « paix mes brebis ». Et le mot « pâte » veut dire « nourrir », « brouter ». Image des devoirs de l'enseignant chrétien pour assurer en permanence le bien-être spirituel des membres de l'Église. C'est aussi le fait de les nourrir, les soigner et d'en prendre soin. Comme chrétiens matures, écoutez bien, nous sommes tous appelés à pâtre les agneaux et les brebis de Dieu. Quand il disait « paix mes agneaux », il disait « il veut qu'on prenne soin » des jeunes chrétiens qui ont besoin de plus d'attention et d'amour, car ils ne comprennent pas encore. Ils sont souvent centrés sur eux-mêmes. Et souvent, un jeune chrétien va être offensé. Puis nous, quand Dieu nous dit, écoutez, c'est le message qu'a donné à Pierre, puis je pense que c'est notre message à l'Église, vous voyez un jeune chrétien, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais eu de chicane dans leur famille? Levez vos mains. Je vais prier pour vous tout de suite. Mais c'est normal des fois qu'on peut avoir des disputes en famille. Ma femme, des fois, ne m'écoute pas toujours. Je dois mettre le pied par terre. Mais on est unis ensemble. J'ai pas eu beaucoup d'amen de femmes là-dedans. Mais des fois, les jeunes chrétiens, c'est pour ça qu'il dit « paix mes agneaux ». Les agneaux, c'est des petits bébés chrétiens encore qui sont au lait. Puis eux autres, il faut les apprendre à aimer, à pardonner. « Oui, mais quelqu'un m'a offensé. » Mais c'est pas grave, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va t'offenser. Bienvenue au club. Il va toujours avoir quelqu'un qui va vous faire. Puis ça ne sera pas le païen, ça va être un autre chrétien. Mais il me dit ça, puis ça m'a blessé. Toi, pour le paître, qu'est-ce que tu fais? Ben non. Viens, on va aller parler. Non, je ne veux pas. Change d'église. Non. Parce que même si tu changes d'église, il va en avoir un autre à l'autre église qui va t'offenser.
Hello! Avez-vous déjà vu la famille parfaite? C'est une sainte réveil. Ils vont toujours... Puis nous, notre job, c'est quand tu vois quelqu'un, puis tu le pètes, ça veut dire t'en prends soin. Tu dis pardonne. Non! Oui, mon bobo. Oui, mon petit toutou. Puis là, tu lui donnes la bouteille. Puis là, il va boire. Puis là, tu dis, oui, pardonne. Tu sais, Jésus t'aime. Puis Jésus veut que tu pardonnes à tout le monde. Puis là, il dit, OK, d'abord. Puis là, tu dis, viens, on va aller rencontrer cette personne-là. Puis là, tu les mets ensemble. Puis là, la personne dit, oh, ben, non, c'est pas ça que je voulais dire. L'autre, c'est pas ça. Ah, t'as mal compris. Ah, puis là, ah, je t'aime, menou. Et là, c'est ça, pète les brebis de Dieu. Hello! Dieu nous appelle comme église à grandir. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. De s'occuper des gens, pas de se moquer des gens. Quand t'es bébé chrétien, moi, je me souviens la première fois que quelqu'un m'avait fait de quoi. Il m'avait dit, c'est parce qu'il avait prophétisé, puis il prophétisait, puis il disait, la salle va être remplie. Puis on arrivait, moi je faisais de la musique dans ce temps-là, puis on arrivait pour jouer, puis il y avait 4-5 personnes dans la salle. Mais je disais, t'as pas bien prophétisé, as-tu manqué ton coup? Là, il disait, non, puis c'est Satan qui chante à travers toi. Oh mon Dieu, j'étais jeune chrétien. Puis là, j'étais blessé. Puis là, il me semble que c'était vrai, quand je chantais, je disais, c'est-tu Jésus? Chante à travers moi ou c'est le diable? Puis là, écoutez bien, j'ai été offensé. Ça m'a pris 7 mois à y pardonner. Je disais, j'y pardonne, mais que le feu du ciel descende sur lui. Et ça, pour faire une histoire courte, ça m'a pris 6 mois à y pardonner. Et après 6 mois, c'est parce que j'étais gonflé comme un ballon. Tu sais, quand tu es nouveau chrétien, tout est beau. Alléluia! Alléluia! Et là, quand tu te fais piquer, ça dégonfle le ballon. Comme un ballon qui est descendu. Puis là, j'étais vraiment descendu. Hein? Puis là, jusqu'à temps, Dieu m'a dit, Jean, pardonne. C'est pour ça notre ouvrage, c'est pour ça qu'on va faire nos groupes maison à l'église. Une fois par mois, tous les mardis, on va vous le dire quand. Pourquoi? Parce qu'au nombre qu'on est rendu, on ne peut pas s'occuper de tous les gens. Puis des fois, l'ennemi s'attarde auprès des jeunes. Puis c'est pour ça, nous, on veut s'occuper de vous. Pour bien s'occuper de vous, pour bien paître le troupeau, on a besoin de chacun de vous. Ce n'est pas juste au pasteur de faire cela. C'est à chacun de nous. Amen. Puis paix, mes brebis, c'est les chrétiens plus matures, des fois plus âgés, qu'il faut corriger, qu'il faut discipliner. Je peux savoir un amen? Puis, troisièmement, c'est un amour qui donne. C'est un amour qui donne. Quand tu es en amour, tu ne calcules pas qu'est-ce que tu donnes. Tu n'analyses pas qu'est-ce que tu donnes. Amen, tu te donnes. Tu te donnes. Je racontais au premier service, je me souviens au début de ma conversion, je faisais des 200 kilomètres, 300 kilomètres, puis j'amenais tout mon orchestre avec moi. Puis à la fin de la soirée, quelqu'un venait avec un petit billet de 2 $. Alléluia, frère, pour toi et ta famille. C'était même pas assez pour m'acheter du papier de toilette. Et j'ai dû aimer. Est-ce que vous me suivez? Je gagnais ma vie avant avec ça comme musicien, puis je faisais beaucoup d'argent. Puis là, parce qu'on était chrétiens, est-ce qu'ils ont abusé sur moi? Oui! Je racontais même dans le premier service, on m'a couché dans un lit où ce que la personne était morte 2 semaines avant, mais il y avait un trou pour le derrière.
dans le lit, un trou comme ça, puis j'avais pas le choix, il fallait que je me mette le derrière dans le trou pour dormir. C'était une toilette dormante. On nous a couchés dans des greniers. Il y avait de la glace dans chaque coin de la roulotte où ce qu'on habitait. Est-ce qu'ils ont abusé de moi? Oui! Mais est-ce que j'ai lâché, j'ai démissionné? L'amour véritable donne sans compter. Hallelujah! L'amour véritable donne. J'aime ma femme, puis elle peut tout dépenser ce que j'ai. Et c'est ça, j'ai vu aussi du président au Burundi. Il aime son peuple, il n'est pas juste là à la tête. Et je regardais quand il nous montrait ses champs d'ananas, ses champs, les bananiers. Puis il me disait que tous ses soldats qui avaient aidé à faire les champs avaient des ananas à la vie, parce que je voyais des soldats qui le mitraillaient et se ramassaient des ananas. Puis je dis, comment ça? Ils ne demandent pas la permission? Non. Le président leur a donné la permission. Quand tu aimes, tu penses aux autres. Quand tu aimes, tu donnes. Puis quelqu'un dit, oui, mais j'ai donné tant, moi, puis personne ne m'a reconnu. Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Et ta récompense n'est peut-être pas ici-bas devant les hommes, mais devant le Dieu Tout-Puissant qui voit tout ce que tu fais, qui voit absolument tout ce que tu fais. Et c'est pour ça, Jean 15, verset 13 à 17, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et même quand tu aimes, tu te donnes. Tu te donnes sans compter. Quand tu n'aimes pas, tu calcules tout ce que tu donnes. Tu t'es acheté une robe neuve, hein, il y a 3 semaines. Tu n'es pas pour t'en racheter une autre, hein? Ma femme, elle est gâtée. Vous ne savez pas ça. Ma femme, elle est bénie d'avoir un mari. Elle a un mari extraordinaire. Je peux-tu avoir un amen là-dessus? Bon, vous m'encouragez à continuer. Quand tu aimes, tu donnes. Tu ne calcules pas ton temps. Tu ne calcules pas ton argent. Amen. Ma femme peut. Tout ce que j'ai est à moi et tout ce qu'elle a est à moi. Ma femme dit c'est l'inverse. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Je veux vous encourager ce matin. Vous savez, l'amour véritable, l'amour mature de Dieu. Amen. Voit sa récompense pas nécessairement ici-bas. Des fois, on fait des choses puis les gens ne nous reconnaissent pas. Vous a-t-il déjà arrivé? Vous n'avez même pas eu un merci. Mais je tiens à vous dire, Jésus qui voit absolument tout vous voit. Il voit votre fidélité. Quand tu aimes, l'amour agapé te fait donner et tu ne lâches pas en disant, j'ai trop donné, là, je me suis trop fait rouler, j'arrête. Non, l'amour agapé de Dieu te fait donner encore plus, même aux gens qui ne t'apprécient pas. Amen. Quatrièmement, et après ça, je vais vous présenter le chef du protocole, Dr. Albert. C'est un homme que j'ai rencontré pour la première fois. Je vais vous dire pourquoi j'aime ça aller au Burundi. Parce que j'aime ça quand il est là, en bas de l'avion, pour m'accueillir. Je me sens spécial.
Surtout quand il vient me ramener à l'aéroport, puis je dis, on va être en retard. Il dit, inquiète-toi pas, l'avion décollera pas jusqu'à temps t'arrives. Quand tu aimes, écoutez bien, quand tu aimes, et c'est ma prière, dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, je crois qu'une église en santé se multiplie. Une église qui est remplie d'amour veut faire des enfants, comme Pasteur Denis. Il faut l'arrêter, lui. Ah, il me disait ce matin, « Pasteur, je suis prêt à recommencer. Hein? » Non, non, c'est pas vrai. Rachel, elle est là. Mon gars, tu vas t'asseoir un peu, hein? Mais quand tu es en amour, écoutez bien, t'aimes ça témoigner aux autres. T'aimes ça. Et ce qui m'a touché du chef du protocole, il témoigne partout. C'est comme une machine à témoignage. Quand tu aimes de l'abondance du cœur, la bouche parle. La bouche parle. Et c'est pour ça que j'ai aimé. La première fois que j'ai vu cet homme, je l'ai aimé parce que j'ai senti avant tout, pas le chef du protocole, mais un chef pour le royaume de Dieu. Et ça a touché mon cœur. C'est pour ça... Je veux vous présenter, Dr. Albin, Proverbe 11:30 nous dit, « Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Puis je veux vous encourager, William Branham, je lisais, mais je l'ai lu aussi, d'autres serviteurs de Dieu qui ont eu des expériences du ciel. Écoutez-moi, ceux qui vont vous accueillir au ciel, d'après ces témoignages-là, c'était tous ceux, William Branham qui a vécu une expérience, monte au ciel, tous ceux qui ont venu l'accueillir au ciel, il y avait une foule, des milliers de personnes qui disaient merci, merci que tu m'as parlé de Jésus. Merci que tu m'as parlé de Jésus. Merci que tu m'as parlé de Jésus. Chaque âme qu'on amène, chaque âme qu'on amène, je vous dis, c'est plus grand que les trophées olympiques. C'est plus grand, une âme. Ces gens-là vont vous remercier pour l'éternité que vous avez osé parler de Jésus. Et ce matin, c'est pour ça Dieu, quand il nous a créés, dit « Soyez féconds » dans Genèse 1, 28. Multipliez. Pasteur Denis connaît ça. Multipliez-vous. Remplissez la terre. Il apprend au sérieux cette parole-là. Puis j'ai dit, si tu vis comme ton grand-père, mon gars, 108 ans, il va falloir acheter un palais royal. Mais ce matin, je veux qu'on accueille un homme de Dieu. Puis c'est un homme qui a l'occasion de rencontrer des présidents dans le monde. Il m'a raconté justement qu'il était avec l'ancien président Bush quelques semaines passées. Et je veux qu'on l'accueille très chaleureusement. C'est un homme de Dieu, le chef du protocole du Burundi. Amen, Dr. Albert. Alléluia! Avant tout, je voulais vous présenter mon épouse, Madame Linka Patrice Mugisha. La signification de Mugisha, c'est bénédiction. Donc, elle est ma bénédiction. Vous savez, je l'ai épousée le jour de son anniversaire. Pour lui dire, mon plus bon cadeau, c'est moi-même.
Je me donne à toi comme cadeau. Tu as quelque chose à dire? Shalom. C'est comme ça qu'on se salue dans notre pays. Je disais shalom. Je disais que c'est comme ça qu'on se salue dans notre pays. Dans notre langue, on dit amahoro. Je suis très contente d'être ici ce matin. C'est encore le matin. Avec vous, mon mari m'avait beaucoup parlé de vous, des chrétiens du Canada. Pour moi, c'est ma première visite au Canada. Finalement, tout ce qu'il m'avait dit, c'est vrai. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait la grâce d'être ici aujourd'hui avec vous et surtout aussi avec mon mari. On était en vacances. C'est un bon moment pour nous. Je bénis la famille de Nchuti et Rachel pour leur amour et leur hospitalité. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Dieu a vu qu'il n'était pas bon qu'un homme soit seul. Je suis un homme béni et heureux, parce que je ne suis pas un. Alors, levez-vous, on va d'abord remercier le Seigneur. Je veux que tu saisisses ce moment. Tu bénis le Seigneur, tu le remercies. Ce n'est pas par hasard que tu es ici ce matin. C'est par sa grâce. Il y a des gens qui sont sur le lit de l'hôpital, des gens qui sont même morts, qui sont dans le deuil. Mais toi, tu es là, c'est par la grâce de Dieu. Il ne faut pas être ingrat, il faut remercier le Seigneur. Alors tu lui dis merci, tu lui dis merci. C'est lui qui veut le dire par la prière, par l'acclamation, par le cri de joie. Tu choisis ton moyen de lui dire merci ce matin. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Tu mérites la louange et l'adoration. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Nous sommes ici sur la terre, tes représentants, tes ambassadeurs. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous as créés si bon. Tu as fait de nous de si merveilleuses créatures. Nous te rendons grâce. Reçois l'adoration. Continue à acclamer. Vous êtes fatigués? Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, dans ce monde, il y a des gens qui se réunissent ici. Venus te louer, venus t'adorer, venus te glorifier. Tu en es digne, Seigneur. Tu le mérites, Jésus. Tu es venu dans ce monde. Tu as donné ta vie pour nous. C'est pour cela que nous t'aimons. C'est pour cela que nous te suivons, Jésus. C'est pour cela que nous témoignons ton amour. C'est pour cela que nous tenons devant les gens pour donner ta grâce, pour donner ton témoignage, pour te rendre grâce et pour te remercier. Alléluia! Que tout le monde dise Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Je suis très content ce matin. Mon nom, c'est Albert Nassasagaré. Les uns, comme pasteur Turpin, m'appellent docteur Albert. Les autres, chez moi, m'appellent ambassadeur Albert. Mais je voulais dire que tout ça, la Bible dit que tout est vanité et poursuit du vent. L'essentiel, c'est d'être enfant de Dieu. Parce que ces titres de ce monde vont un jour cesser. Mais nous serons avec notre Père. Le jour où Jésus viendra prendre son épouse. Et il prendra soin de nous. C'est ça l'essentiel. Amen. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas accroché à tes titres? Je dis, mais quel titre? Ce que tu es aujourd'hui. Et puis je lui ai dit, ce que je suis aujourd'hui, j'étais plus que ce que je suis aujourd'hui avant. Aujourd'hui, je suis ambassadeur.
j'ai un rang de ministre. Mais avant cela, la Bible dit que je suis l'ambassadeur de Christ, le ministre de l'Évangile. Je fais partie du gouvernement céleste. Et mon gouvernement là-haut, c'est un gouvernement éternel. Le gouvernement sur la terre, c'est un gouvernement éphémère. Un jour, ça va cesser. Mais mon gouvernement là, ça va continuer. Autre chose. Ici sur la terre, les titres sur la terre, ça te dit, il faut montrer à tout le monde qui tu es. Que quand tu passes, tout le monde doit saluer Excellence, qu'on te voit. Mais mon gouvernement au ciel, ça dit, soumets-toi, sois humble. Soumets-toi sous la main du Très-Haut et il t'élèvera au temps convenable. L'attitude des gens du ciel, des citoyens du ciel et l'attitude des citoyens du monde, c'est différent. Amen. Je vais vous partager quelque chose ce matin, mon témoignage, mais aussi ce qui est sur mon cœur. Lisons dans la Bible, Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais je vais d'abord lire verset 25. Et Denis, ça dit ceci, 6:25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? 33, ça dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est que Dieu nous a créés avec un but. Il faut savoir distinguer la priorité dans ta vie. Il faut savoir pourquoi Dieu t'a créé. Des fois, nous nous inquiétons sur notre vie de chaque jour. Des fois, nous nous inquiétons pour savoir qu'est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va loger et de quoi on va se vêtir. Mais oubliant que tout ça, c'est la Bible qui le dit. C'est Jésus qui a dit à ses disciples. Parce qu'en disant cela, peut-être qu'il a vu dans leur cœur qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes sur la vie. Il se demandait, mais ce jeune homme que nous suivons, il n'a pas de maison, il n'a pas d'argent, il n'a pas de compte en banque, mais pour manger, on mange miraculeusement. Il a un seul habit. Nous suivons un jeune qui n'a pas d'avenir. Pratiquement par là, Jésus n'avait pas d'avenir quand on le regardait. C'était un jeune homme sans maison, sans habit, sans quoi se nourrir ou nourrir ses disciples. Tu sais, quand tu as des gens qui te suivent, il faut les nourrir, il faut prendre soin d'eux. Mais pratiquement, aux yeux des hommes, ils n'avaient rien. Un jour, Pierre s'est arrêté, il a dit, arrête, Jésus arrêtez. Quelqu'un qui a tout abandonné pour toi, et qu'est-ce qu'il va gagner? Et Pierre était sérieux. D'abord, c'était un homme très âgé, plus âgé que Jésus. Il a suivi un jeune qui n'avait pas d'avenir. Il dit, Jésus, c'est lui qui a abandonné les maisons, la famille, son business. Qu'est-ce qu'il va gagner? Et là, Pierre ne badinait pas. Il parlait des choses matérielles de ce monde. Il ne parlait pas de la vie éternelle. Il ne parlait pas du ciel. Parce que lui, il avait un problème sérieux pour savoir quel est son avenir. Parmi nous ici, nous nous posons des questions pour notre avenir. Nous sommes en train de prier. Tu regardes, pasteur, tu es en train de prêcher. Oui, oui, il prêche parce qu'il a une situation. Mais moi, quand je sors ici, je n'ai pas de quoi nourrir mes enfants. À la fin du mois, je n'ai pas de quoi payer ma maison. Je n'ai pas de quoi payer le minéral des enfants. Il y a tant de questions et tant d'inquiétudes. Mais le message que tu t'amènes aujourd'hui, Jésus dit ceci. Ton Père, c'est que tu en avais besoin. Avant de t'en inquiéter, il le savait déjà. Avant d'être dans le besoin, lui, il savait que tu as un besoin. Mais il te dit ceci. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. C'est ça le secret. C'est ça, ça devait être notre priorité dans la vie.
la recherche du royaume et la justice de Dieu. Parce que nous sommes dans ce monde et nous ne sommes pas du monde. Et nous avons une mission d'impacter le monde, d'être une lumière et le sel du monde, d'amener les autres au Seigneur, que tout ce que Dieu va nous faire, va nous donner, que toute bénédiction qui viendra à nous, c'est pour accomplir la mission qu'il nous a donnée. C'est pas pour que demain tu gonfles, je suis devenu quelqu'un, je suis le chef du protocole, je suis l'ambassadeur, je suis tatata. Mais tout ce qu'il te donne, c'est pour ce royaume. Il a dit aux disciples, quand il demandait à Jésus, mais toi tu pries et il y a les réponses. Toi tu pries pour les gens, il y a les miracles. Les gens sont guéris. Apprends-nous à prier. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites ceci. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est ça notre mission première. Sur la terre, tout ce que Dieu fait de nous, c'est pour que son nom soit glorifié au travers de nous. Amen. Et deuxièmement, il a dit, dites que ton royaume vienne sur la terre. Nous avons une mission, mes frères et sœurs, d'amener le royaume de Dieu là où nous sommes. Si aujourd'hui tu es béni dans ton business, tu es béni au travail, c'est pas pour que les gens voient que tu es riche. C'est pas pour que les gens voient que tu as une maison, que tu as une belle voiture. C'est pour que quand les gens voient, ta vie témoigne. Tu dis comment Dieu te l'a donné et pourquoi il te l'a donné. Et tu donnes gloire à Dieu. C'est ça la mission. Et c'est comme ça qu'on va amener le royaume de Dieu sur la terre. Parce qu'on amènera l'atmosphère, la culture, l'environnement céleste sur la terre là où nous sommes. Et il a ajouté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est ça notre mission. C'est ça. Alors, l'homme le plus heureux, c'est celui qui saisit cette opportunité, qui sache, qui sait distinguer quelle est la priorité de sa vie. C'est ça notre priorité. Et quand tu as saisi la priorité, le reste va te suivre. Je vous dis la vérité. Le reste va te suivre. Tu vois, des fois, je tentais à faire les prières pour demander, Seigneur, tu sais, j'ai connu une vie vraiment de besoin, de manque, quand j'étais encore élève, quand j'étais encore au lycée et quand j'étais encore à l'université. J'étais un jeune qui était dans le besoin. Ma femme peut le témoigner parce qu'on s'est connus quand on était encore des étudiants. On s'est connus au ministère, on s'est connus à l'œuvre de Dieu. Nous servons le Seigneur depuis que nous étions à l'école. Et j'étais un jeune qui aime le Seigneur, qui était fier de lui-même, mais qui était quand même dans le besoin. Mais des fois, je tentais à prier pour les besoins et je sentais qu'il n'y avait pas d'envie de prier. Et je changeais de sujet. Parce que Dieu m'a appris à ne pas chercher personnellement mes besoins, mais à se concentrer sur le royaume et sur le fardeau des âmes qui se perdent. Amen. Et j'ai vu Dieu exaucer, Dieu me bénir sans toutefois demander. Parce que c'est la bénédiction qui nous suit. Ce n'est pas nous qui suivons la bénédiction. Nous poursuivons à chercher le royaume et à chercher à gagner les âmes. Et le reste, je vous dis mes frères et sœurs, the best is yet to come. Les bonnes choses sont devant nous. Et je vous dis la vérité, et vous le verrez. Les bonnes choses sont devant nous. Parce que nous partons de gloire en gloire, de puissance en puissance. De niveau à niveau, nous ne faisons pas marche arrière en tant qu'enfant de Dieu. Et nous sommes bénis. Et il a dit, chercher premièrement. Notre priorité, c'est chercher à gagner les âmes. Je vous donne mon petit témoignage. J'ai reçu Jésus quand j'étais encore à l'école secondaire, cycle inférieur, en 95. Je me rappelle même la date, même l'heure, comment j'étais habillé et comment était le climat. Parce que ça a touché ma vie. Et quand j'ai reçu Jésus samedi, c'était un samedi, le samedi suivant, je suis parti dans une veille de prière. Et deux semaines après, j'ai commencé à prêcher ma classe. Avec trois versets. Genèse 1, 26, Jean 3, 16 et Apocalypse 3, 20. Et je savais comment les ranger et comment attirer quelqu'un pour Jésus. Si tu as le fardeau de prêcher, tu n'as pas besoin de beaucoup de versets. Tu n'as pas besoin d'une école biblique. C'est bien d'aller à l'école, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Tu n'as pas besoin de diplôme de doctorat. J'ai le doctorat en théologie. Mais tu n'as pas besoin de ce doctorat pour prêcher l'évangile.
Parce que maintenant que j'ai le doctorat, je ne prêche pas plus qu'avant. Avant, je n'étais pas animé par l'intellect, j'étais animé par l'esprit qui était à moi. J'étais animé par le fardeau de gagner les âmes. Et si tu as ce fardeau, Dieu est avec toi, Dieu t'accompagne. Les gens ne voient pas toi, ils voient Jésus en toi, ils viennent vers Jésus, ils ne viennent pas vers toi. Alors, j'ai vu comment, parce que quand je prêchais, les gens venaient vers Jésus. J'ai commencé par l'école secondaire et j'ai continué dans les universités. Et c'est en faisant ce ministère que le président m'a vu. Il a dit, j'ai besoin de ce jeune tout près de moi. J'ai besoin de ce jeune tout près de moi. Et quand je suis allé dans mon église, comme j'étais presque le pasteur des jeunes à l'église, j'étais toujours à l'église, je dirigeais les cultes, je dirigeais les prières, j'écoutais les gens, je faisais les cures d'âme, j'étais disponible à l'église. Quand j'ai été nommé, j'étais plus disponible. Et les gens disaient, oh Albert, ne cherche plus le Seigneur parce que Dieu l'a exaucé. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Quand Dieu vous bénit, vous ne partez plus à l'église. Alors les gens ont commencé à dire, Albert, mais j'entrais dans une autre dimension de servir le Seigneur. Pas à l'église. Je voulais vous dire une chose, l'erreur que l'église commet dans ces derniers temps, c'est de ne pas savoir la mission de l'église. On ne sert pas l'église, on ne sert pas le Seigneur dans l'église. L'église est un endroit de s'édifier, de s'enseigner, de se former, en fait de sortir, impacter la communauté, transformer la communauté. Si vous restez ici, rempli du Saint-Esprit, parler les langues, sans toutefois influencer, sans toutefois changer la communauté, vous ne faites pas votre mission. Parce que Jésus a dit, dans les évangiles, il a dit, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle, et faites toutes les nations mes disciples. C'est ça, allez, c'est pas ici. C'est bien d'être rempli du Saint-Esprit, c'est bien d'avoir la communion fraternelle, mais en fin de compte, sortez. Sortez dans le business, de lundi à samedi, va gagner les âmes par les moyens que Dieu t'a donnés. Si tu es dans le business, tu es pasteur dans le monde du business. Si tu es professeur, tu es pasteur à l'école. Si tu es ministre, tu es pasteur au gouvernement. Si tu es parlementaire, tu es pasteur au parlement. Tu es appelé à aller là-bas et amener les âmes vers Christ. Amen. C'est ça notre priorité. Et si tu le fais, Dieu te bénira, il te bénira, il te bénira en allant, il te bénira en retournant, il te bénira en rentrant, il te bénira en sortant, il te bénira dans les vallées, il te bénira dans les montagnes, il te bénira à tous égards. Amen. Et c'est ça notre préoccupation. Mes frères et sœurs, si vous gagnez les âmes, c'est ça l'objectif. Ayez la soif, ayez le feu, ayez le désir. Demandez à Dieu le fardeau d'amener les autres, ta famille. Tu es le pasteur dans ta famille. Il y a des gens qui disent, oh, le prophète n'est pas accepté chez soi. D'une part, c'est vrai, mais nous sommes appelés à amener notre famille au Seigneur. Nous sommes appelés à être le sel. Tu ne vas pas les gagner en parole, c'est en comportement, en vie. Tes paroles ne peuvent pas les changer, mais ta vie va changer ta famille. C'est vrai, tes paroles ne seront pas acceptées, mais ta vie sera, ta vie va parler plus que les paroles. Et ça va convaincre les gens à venir vers le Seigneur. C'est ça notre mission première. Quand je suis entré à la présidence, ce n'était pas du tout le travail. Écoutez, mes chers amis, si nous entrons dans différentes sphères de la vie, ce n'est pas pour nous faire de l'argent. Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. Des fois, Dieu nous ouvre les portes et nous donne des moyens pour le servir. Si je peux prendre l'avion pour voyager et venir vous témoigner, c'est parce que Dieu m'a béni. C'est un moyen de lui servir et de continuer à élargir le royaume. Et si tu crois, si tu es béni, que c'est pour toi, pour ta famille, tu te trompes. Tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. C'est pour le royaume. Amen. Et là que Dieu, où Dieu m'a amené, c'est dans le ministère. Parce que maintenant, je servais le Seigneur. Je vous dis une chose. Si tu es fidèle dans les moindres choses, Dieu te confiera de grandes choses. J'ai été fidèle dans mon ministère à l'école secondaire.
j'ai été fidèle. Ah, il me disait que je raconte comment j'ai changé mon école. Quand je suis arrivé à l'école secondaire, j'ai prêché l'évangile, j'ai gagné toute ma classe. Et j'ai quitté ma classe, j'ai gagné l'école. Je gagnais le directeur, les professeurs, tout le monde. Il y avait l'atmosphère céleste. Quand je sortais, on disait, salut pasteur. Et sachez, gloire à Dieu pasteur. Donc, et ça, je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme de secondaire. J'étais en train de préparer mon examen d'état. Et j'ai vu les professeurs se réunir avec le directeur. Et immédiatement, j'ai été saisi. J'ai dit, Seigneur, je me dirige vers le directeur. Je vais demander à ce qu'on me donne le temps de parler pendant les diplômes. J'ai prié et puis je suis parti. J'ai dit, directeur, est-ce que le jour de diplôme, je peux dire quelque chose? Il a dit, oui, tu peux dire. J'ai dit, nous avons un sketch. Il a dit, oui, vous pouvez faire un sketch et aussi tu peux nous prêcher pendant 30 minutes. Et j'ai prêché pendant 30 minutes. Quand j'ai prêché, je me rappelle le verset que j'ai dit, c'est Genèse. Quand Dieu a créé l'homme et la mission qu'il lui a donnée de dominer, d'assujettir le monde. Et j'ai posé la question, est-ce que quand vous regardez ce verset et la situation d'aujourd'hui, c'est le paradoxe. J'ai dit, c'est soit la Bible n'est pas correcte, n'est pas la parole de Dieu, ou bien il y a un problème chez l'homme, parce que l'homme ne domine plus. Même un petit insecte fait fuir. Tu vois souvent les femmes, hein? je ne vous agresse pas. Mais quand il y a quelque chose, et les femmes sautent. C'est ça, ce sentiment de peur qui domine l'homme. Alors vous souvenez que dans Genèse, c'est l'homme qui a donné le nom à tout animal. À tout animal. C'est l'homme qui a donné le nom. Toi, tu es lion. Il appelait lion. Aujourd'hui, tu peux appeler lion. Aujourd'hui, tu peux donner le nom à tout animal sauvage. Non, tu ne peux pas. C'est-à-dire, il y a un problème. Alors, j'ai posé la question. Soit il y a, ça ne va pas, ou la Bible n'est pas vraie. Quand j'ai posé la question, j'ai laissé le temps, et puis j'ai commencé à expliquer la chute de l'homme, et que la solution de Dieu, c'est recevoir Jésus. Et quand j'ai fait l'appel, tout le monde a levé la main pour recevoir Jésus. Et j'ai demandé, Saint-Esprit, est-ce que je dois appeler devant? Ce n'est pas le jour de recevoir Jésus, c'est le jour des diplômes. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas besoin de les appeler, dis-leur de répéter. Et quand j'ai dit répéter avec moi, j'ai entendu tout le monde répéter avec moi de recevoir Jésus. Il y a mon père qui a dit, même à l'école, on te fait confiance. Donc, ça changeait tout dans ma famille. Et le président des parents, il a dit ceci. Aujourd'hui, vous donnez les diplômes, mais je vois que l'année prochaine, vous allez donner les Bibles. Et puis après, l'année passée, nous sommes rencontrés à l'hôpital militaire, parce que ça, c'est un militaire. J'ai dit, messieurs, vous vous souvenez de moi? J'ai dit, non, je vous vois avec le président. Si, mais vous vous souvenez de moi à l'école secondaire? J'ai dit, non. C'est cet élève qui a prêché, et après, vous avez dit que l'année prochaine, c'est sur les Bibles, on va donner les Bibles. Je voulais te dire là où la Bible m'a amené. J'ai dit, dans ce temps, je ne comprenais pas. Je lui disais, est-ce que maintenant tu comprends? Tu peux recevoir Jésus? Gloire à Dieu. Donc, je voulais vous dire que quand vous êtes fidèles dans le Seigneur, Dieu se glorifie en vous. Et aujourd'hui, je sers le Seigneur tout près du chef de l'État et je sers les gens. Ça me permet d'aller loin. Et nous organisons la prière au palais. Au moment où je vous dis, ils sont en train de louer, comme vous avez vu, au palais, il y a trois chorales. La chorale des enfants de la maison, la chorale de l'armée, des gens que vous voyez danser, l'armée, et la chorale des gens qui étaient avec lui dans la brousse. Parce qu'ils se sont dit, Seigneur, si tu nous fais revenir à la maison, nous allons te servir 24 heures. Et ces gens, ils se sont démobilisés. C'est comme l'Azaf. Vous savez l'Azaf de la Bible. La louange 24 heures sur 24 heures. Maintenant, ils sont en train de prier jusqu'à 22 heures, 23 heures. Ils font entre 3 et 4 heures en train de louer le Seigneur. Et après la prière, ils font l'agapé. Ils partagent le repas. Le président mange avec tout le monde. C'est vrai, des gens, vous vous souvenez quand Jésus est venu, les gens n'ont pas compris que c'était le Seigneur au milieu d'eux. Je vous dis, mes frères et sœurs,
Moi, je ne suis pas dans le parti politique, dans le parti du président de la République. Je ne connais aucun parti dans ma vie. Moi, le Seigneur m'a appelé. Je viens de nulle part. Ma famille n'est pas connue. Et c'est le Seigneur qui m'a placé pour qu'il me montre que ce qu'il a dit. Parce qu'il m'a dit, prépare la jeunesse, parce que je vais l'utiliser dans le réveil qui vient. Il voulait me montrer que c'est possible. Parce qu'il m'a dit, si vous changez les élèves à l'école secondaire, ils vont impacter les parents. Et les parents vont impacter dans les différents services. Et le salut va aller d'échelon en échelon jusqu'à la présidence. Je ne savais pas que je serais le premier moteur, le premier véhicule à amener le salut là-bas. Et quand je le vois, je me rappelle un jour, je fléchissais les genoux au palais. On était en train de louer, on était en train en esprit. J'ai dit, Seigneur, je rêve ou c'est une réalité? Et quand je m'agenouillais, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu permettras que ton nom va quitter le palais? Et Dieu m'a dit des choses, j'ai dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Dieu aussi aime la gloire. Il ne partagera pas sa gloire à personne. Et maintenant, nous organisons les croisades deux fois l'année, comme vous avez vu. Et Tulpin est témoin, il était avec nous dans le mois d'août. Gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous allons prier tout de suite, parce que je vais clôturer. J'avais beaucoup de choses à dire, mais chez nous, on n'a pas de temps. On prêche jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous stoppe. Mais ici, nous devons être stoppés par l'heure, la montre. Et on doit respecter parce qu'on doit s'adapter au temps aussi. Mais je voulais vous encourager. S'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu Jésus, c'est la chère chose au monde. Si je peux dire qui veut recevoir, qui veut venir devant et je vais lui donner un chèque de 10 000 dollars, tout le monde va courir. Si je dis j'ai une maison ici à Ottawa, je vais donner une maison, tout le monde va courir. Mais tout cela n'a pas de valeur. Mais ce qui est de valeur, c'est le Seigneur Jésus de Nazareth. Et si tu le reçois dans ta vie, toute ta vie est transformée. Si tu le reçois dans ta vie, toutes choses changent et tu changes d'itinéraire. Et tu marches dans un chemin qui est très sûr. Et il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. C'est le verset que je vous ai dit quand j'étais ici en 2011. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un bon avenir et de l'espérance. Ne vous inquiétez plus de rien. Parce qu'il prend soin de tout. Occupez-vous premièrement du royaume. Occupez-vous à gagner les âmes. Mais avant de gagner les âmes, est-ce que ton âme est entre les mains du Seigneur? Avant d'aller chercher les autres, est-ce que tu as déjà reçu Jésus? C'est une occasion en or pour toi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu peux le recevoir. Et c'est maintenant. Il y a quelqu'un qui veut recevoir Jésus, qui n'a pas encore reçu Jésus. Il peut lever sa main, on va prier pour lui. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus et qui veut donner sa vie, ou s'il y a quelqu'un, ta vie n'est pas en règle avec Dieu, c'est le moment de réparation. Il est là. Il est encore assis sur le trône de grâce. Il veut toucher, changer nos vies. S'il y a quelqu'un, il peut lever sa main. Alléluia, alléluia. Alléluia. Tout le monde a reçu Jésus? Que Dieu bénisse. Je pense que le pasteur va orienter. On va prier pour les malades. On va prier pour les gens qui ont besoin des réponses dans le Seigneur. Mais je vous encourage, sortez, allez dans le monde, changez les nations, transformez la nation et changez le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. La seule chose qui va compter, c'est toutes les belles âmes qu'on va avoir amenées à Jésus. C'est nos trophées qu'on va avoir pour l'éternité. Et c'est pour ça ce matin. Avez-vous été béni? Est-ce que c'est bon? Come on! Il a parcouru après le titre, il a parcouru pour être chef du protocole.
mais il courait après Jésus. Et Jésus l'avait choisi. Et c'est ce qui m'a touché la première fois que j'ai vu cet homme parler de Jésus, parler de Jésus. Parler pas de sa position, mais parler de sa position en Christ. Je veux vous encourager. Le temps est court. Le temps est court. Vous savez, on n'amènera rien avec nous l'autre côté. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Devenez des outils entre les mains de Dieu. Laissez-vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. C'est le désir de Dieu de vous utiliser. Que vous deveniez ses instruments entre ses mains. Son porte-parole entre ses mains. Vous voyez pourquoi je l'ai aimé la première fois que je l'ai vu? Les gens me disent, « Pasteur, tu fais de la politique? » Non, je parle du royaume de Dieu. Puis quand je vois un autre frère qui parle du royaume de Dieu, et quand tu vois un président qui parle du royaume de Dieu, « Come on! » Je vous dis, la première fois que j'ai vu ça, Pasteur Denis est témoin, j'ai pleuré. Je voyais les généraux, tous les hauts dignitaires qui étaient là, puis j'avais larmes à l'œil. Toute la gang avait les bras dans les airs. Louait Dieu. Le président dansait, mais j'ai dit, c'est quasiment David s'en avant. Il se lâchait lousse au complet. Puis j'ai dit, il n'y avait pas honte de Dieu. Puis je vous dis, dans toutes mes années de ministère, Docteur Albert, c'est la plus belle chose que j'ai vue. De voir des gens de ce monde qui ont l'autorité dans ce monde louer Dieu comme ça, il fallait que Dieu touche leur cœur. Et si jamais vous avez l'occasion un jour d'aller au Burundi, d'aller voir ça, peut-être un jour on va organiser une semaine en Israël puis une semaine au Burundi. Pasteur Denis, ça, oui, lui, il continue à faire des petits. Mais ce matin, écoutez-moi, avant qu'on parte. Ceux qui ont besoin de retrouver leur feu, leur premier amour en Jésus-Christ, eh bien, ceux qui ont besoin de retrouver leur premier amour, je vous dis, il y en a beaucoup qui courent après l'art, qui courent après l'argent, qui courent après les positions. Mais je vous dis, cherchez le royaume de Dieu. Le reste va courir après vous. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole qui a été amenée ce matin. Je veux te remercier, Jésus, tu es au milieu de nous. Fais ce que tu veux ici, Jésus. Viens confirmer ta parole par des signes et des prodiges. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Ceux qui veulent retrouver leur premier amour de Dieu, avancez-vous en avant. Avancez-vous. Je vais demander à Dr. Albert et toute l'équipe ce matin, tous ceux qui veulent retrouver leur premier amour pour Dieu. Amen. Ceux qui font partie des cinq vierges sages. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sentez-vous libre. Je ne force pas personne ici. On va se lever ensemble, tout le monde. Ceux qui doivent partir, sentez-vous libre de partir aussi. Amen. N'oubliez pas, tous les nouveaux, on vous invite à venir manger avec nous en haut. Mais ceux qui désirent de la prière, vous avez mal dans votre corps aussi. Vous avez besoin de guérison. Il y a quelqu'un ici qui est guéri dans sa jambe gauche. Juste ici, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est produit. Mais dans sa jambe gauche, il y a des problèmes. Venez ici en avant tout de suite. Amen, amen. Juste la puissance de Dieu, elle est là. Ceux qui veulent retrouver, ceux qui ont besoin de guérison. Amen, amen, amen. Jésus est ici.
Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Hallelujah. 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 Les autres, allez dans la paix puis dans la joie du Seigneur. Mais si vous avez besoin du feu du Saint-Esprit, si vous avez besoin du feu de Dieu, amen. Hallelujah. 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 Merci, Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui s'est fait un genre de tour de rein ou quelque chose de semblable. Amen. Jésus pose sa main sur toi. Amen. Au complet. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Si vous avez besoin, avancez-vous. Gênez-vous pas. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Karama shurama ba 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 ba.